la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais miracle qui va accompagner les gens qui va croire. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils chasseront des serpents. La Bible dit on va mettre les mains sur maladie. Et maladie on va guérir. Dans le verset 20, il dit l'elfin by sa mission, n'ayo allé partout. Yo prêcher la bonne nouvelle. Et qui sa parole a dit? Parole a dit, eh bien, tout miracle que Dieu te dit qui te va accompagner avec ça, des signes, des prodiges, eh bien, qui s'est passé, ça a été arrivé, accompli dans la vie, messieurs, tel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit. Mais qu'on y a, pas oublier, 12 hommes, ça y est, bon Dieu, t'es relé, c'est 12 hommes qui lui-même, même lui relé, lui formé, lui instruit. Je dis à mon dilemme dans le monde évangélique ça. Qui ça qui est lié? Ou après, nèg la pour converti. Il faut pas prendre ça bon Dieu. Mais qui ça qui passe, il dormi la caille, il dormi sous cabane, c'est garder, il tout, il font rêve soit la mener quelque caprice, quelque cochon. On prend comme ça le carré la mener couleur tout. Mais il faut comprendre dire l'île, soit comme évangéliste, soit comme pasteur. Il n'y a pas choisi l'autre bagaille. Et pourtant, il n'y a pas même de connaissance de Dieu. Ça veut dire, l'élex a venu, il vient convertir. Il vient convertir dans l'esprit pour le pasteur. Mais pas chrétien. Dans l'esprit pour l'évangéliste. C'est une raison qui permet l'élex à rentrer dans l'église. Il n'y a pas chercher l'autre bagaille, c'est direction chère, il y a cherché. Direction pauvre, direction élevée. Direction, on voit qu'il mettait l'homme au-dessus de l'homme. Direction qui pire en dans l'assemblée. C'est lui qui l'a cherché parce que c'est pour ça qu'on dirait. Même sous avant, ou devant, au commencement, on a fait un petit coup pour lui, on a parlé ensemble avec lui. Mais dans l'esprit, lui connaît. Lycéon pasteur, lycéon lycéon évangéliste. Et ça, des fois, qu'on finit avec la vie maintenant. Dans l'école théologie, mais c'est même ça qui travaille dans la tête. Même ça qui est dans l'esprit. C'est pour le chef, c'est pour le diriger. Il va recevoir appel pour le salut. Il va recevoir appel pour venir servir Jésus-Christ dans l'humilité. Il va servir, il va recevoir appel pour venir produire les fruits de l'esprit. Mais il va recevoir appel, un appel de domination, un appel de chef pour être capable de diriger. Mais est-ce que c'est comme ça bagaille là lui-même lié? Non. Il pas comme ça. La Bible explique que nous, 12 hommes ça au bon Dieu te reléa avant, c'était un mystère qui était voilé, un mystère qui était caché. La Bible dit mais mystère ça, il révélé. Mystère qui était caché, il révélé. Mais il pas révélé à tout le monde. Il révélé à un groupe de monde spécial. Et groupe de monde spécial ça, ce sont les choisis. Si on monde ou pas dans le plan, mon Dieu, on va faire recherche dans la Bible, passer tout le monde. On va faire les petits plus, passer tout le monde. Mais depuis le mystère, on n'a pas choisi. Depuis qu'on partait dans le plan de la rédemption, on va faire recherche plus, passer tout le monde. Mais on ne peut jamais arriver parvenir à la connaissance exacte de la vérité. La paix avec vous. Bon Dieu, bénis-vous.
dans plan même si chaque jour t'as pas couvert bibou pour t'aider pour compte bon Dieu bon ou pas jamais arriver compte bon Dieu pour ça parce que Dieu a son révélation qui est lié Dieu a il pas révélé tête li à tout le monde mais il révélé tête li à monde qu'il choisit il révélé tête li à monde qui doit connaître. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus-Christ dit, j'étais le Père, Seigneur du ciel et de la terre. Parce que tu as caché ces choses aux sages, aux savants, aux intelligents, mais tu les as révélées. Ça veut dire, ce qui s'est caché à ce mystère, ce qui s'est caché à ce Jésus-Christ même, c'est la parole qui t'est voilée. Ça veut dire, même dans le temps de la loi, pendant mes cieux, on peut t'a prophétiser des bagages qui t'ont été voilés. Que des mystères qui t'ont été voilés. Parce que t'es un temps fixé pour tout mystère qui t'est voilé. On peut capable de dévoiler, mais c'est dans le temps probable de Dieu. Il dit, il cache un mystère ça à tout les sages, à tout savant, mais le révéler mystère à qui ça au fils du royaume. Mais fils du royaume ça qui est-ce que lié? La Bible dit fils du royaume ça le pas l'autre, lui c'est moi-même, lui c'est vous-même. Non. Dans Colossiens chapitre 2, les dix mystères qui étaient cachés à l'autre. Il dit c'est Jésus-Christ qui mystère. Colossiens chapitre 1, le verset 26. Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Mais mystère dit savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'elle parle de Christ en vous, ça veut dire le Saint-Esprit qui est en vous-même. L'Esprit de Dieu qui vit dans vous-même, c'est lui-même qui mystère. Parce que par moyen de l'Esprit, vous n'avez pas besoin de personne enseigner. Vous n'avez pas besoin de personne instruire. Vous n'avez pas besoin de personne former. Que les bagages qui nous disent là, ils ont déjà un don, mais des fois dans l'incrédulité, dans l'ignorance, dans l'infidélité, dans la tête à bon Dieu, des fois révélation cachée. Et des fois, on ne sait pas où nous entendons. Et puis, qui s'est passé? Il y a une réactivation qui fait dans nous-mêmes. Regardez, pendant que le prédicateur a parlé, l'esprit est parti, il est allé bien loin. Pour qui ça? Parce que le mystère est lui-même en don. Pendant que je parle là, qui s'est passé? Eh bien, où est-ce que les bagages qui nous parlent depuis devant? Ou qui t'a en pile bagaille qui m'a même rivé dit. Parce que mystère lui-même, lui en dedans. Et bien mystère par l'autre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est lui-même qui est le mystère de Dieu. Mystère qui t'est caché. Révélation qui t'est caché. Aux yeux des anciens, de Moïse, d'Abraham, de Jacob, de en pile l'autre serviteur qui était des hommes de Dieu. Des serviteurs, des servantes de Dieu. Mais tu as un temps fixé pour manifestation ça, lui-même, il est capable de faire. Quel que soit le monde que j'ai relé dans les temps anciens, il était toujours conformé. Il n'y a pas de gens choisi un simple homme comme ça, comme prophète, et puis il mettait le campé. Il mettait le campé devant un peuple pour la diriger un peuple. Mais on a besoin. Prophète yo, homme de Dieu yo, serviteur qui était toujours campé et à la hauteur qui était toujours campé devant, qui a dirigé, qui a guidé. C'était des hommes qui étaient baillés tout entier. C'était des hommes choisis. C'était des hommes appelés. C'était des hommes formés, instruits par Dieu. Ils n'ont pas comme des hommes banals qui t'a dit recevoir appel comme ça, et puis il a fonctionné. Mais des fois il a fonctionné, il n'y a pas même qu'on lit yo. Il n'y a pas même qu'on trace appel. Il n'y a pas formé, il n'y a pas instruit pour ça. Mais on pourrait remplir là même c'est même eux-mêmes qui te comme des docteurs qui te instruit le peuple d'Israël.
Yo bon nous prouve exemple d'Esdras, on prend qui te baille tout lui-même toute la journée, la fait lecture, la fait des recherches, des fois c'est lui-même qui était toujours à instruire le peuple là, de façon pour pas oublier la loi Seigneur. Ça veut dire, après, apôtre Paul vient ensemble avec même bagaille là, il dit c'est pour nous bailler nous-mêmes, à savoir homme choisi, la instruire Timothée. Il dit donne-toi tout entier à la lecture, à l'enseignement et à l'exhortation. On prend, il dit Timothée pour pas dévier notre travail là. On prend, veillez sur parole qui saute dans la bouche. Parce que parole qui saute dans la bouche, c'est eux-mêmes qui va sauver eux. Et qui va sauver le peuple qui attend eux là. Je dis à ceux qui des hommes qui choisissent, Dieu mettait campé devant le peuple là. Mais si c'est Dieu qui choisit, vous voyez, vous devez rester attaché à la vraie doctrine, à la saine doctrine, à la vérité. Vous ne devez pas aller en dehors. Des hommes qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans de ministère, ils ont parlé. C'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui relève. Mais en réalité, ils ont testé selon la parole. Après, ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas capables de comprendre le mystère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est coucher, coucher, c'est dormir, dormir, ils ont reçu un appel et puis ils ont fonctionné. Vous comprenez? Après, ils ont été assemblés pour la première fois. Des fois, il y a une chanalité, il y a un tel, ils sont pasteurs. Si un tel pas pasteur, un tel sont évangélistes. Il n'y a pas l'autre. Il y a pour elle pas l'autre bagaille. Soit évangéliste, soit son pasteur. Parce que c'est ça qui est à la mode dans le temps. C'est ça qui a fait parler. Mais Jésus-Christ, il est venu. 12 hommes, ça, qui ont été réunis. C'était 12 hommes qui ont été mis à part. Les dieux allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde qui va arriver croire, qui va recevoir baptême, il va sauver. Mais ça qui va croire, il va condamner. Il dit, mais miracle qui va accompagner nous. Il dit, non, non, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait. Mais ça, le Jésus-Christ lui-même, il les négios, il dévoué, c'est une mission qui est déjà accomplie. Il te dit, allez par tout le monde. Après, non. Dans le travail, chapitre 1er, le verset 8, il dit que ça a eu pour servir le témoin à Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si nous avons posé une question maintenant, est-ce que la prophétie ça va t'accomplir? Est-ce que nous avons pas servi mon Dieu témoin à Jérusalem? Est-ce que nous avons pas servi le témoin en Judée? Est-ce que nous avons pas servi le témoin à Samarie? Est-ce que l'évangile va prêcher dans quatre coins de la terre? Oui, mais c'est déjà accompli. Dieu va négocier la mission d'apôtre comme des envoyés. Les envoyés, pendant l'envoyé, et les papes envoyés deux, trois fois. Même j'aime toujours dire, tout ça que Dieu lui-même l'appelle, appelle une fois pour tous. Les apôtres, les voyés. Mais toute révélation qu'il a baille, toute instruction, toute formation, lui permet tout écrit. Yon façon, pour travail qu'elle fin fait à lui-même, il pas dévié. Ou après, des révélations, des visions qu'elle baille, messieurs, yon écrit yon. Eh bien, c'est ça qui permet que nous jouions le livre ça. Ou après, pendant qu'on lit, surtout dans le Nouveau Testament, ce sont les travails des apôtres. Les diété pour les messieurs, il te dit que nous servir témoin tout partout dans quatre coins de la terre. Après, messieurs, fin aller au service mon témoin, et bien qui s'est passé, eh bien, c'est déjà accompli. Parce que l'évangile prêché dans quatre coins de la terre, Jean-Dieu lui-même, il dévoué. Les nous qui aujourd'hui, nous demandé pour capable et comprendre l'évangile là selon la révélation de Dieu, selon l'esprit. Mais on parle de l'esprit, nous ne parlons pas de l'esprit, on prend même Jean en pile monde à parler qui c'est l'esprit de l'homme. Nous parlons de l'esprit de Dieu, parce qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit. Esprit, ça c'est même lui-même qui a utilisé à apôtre. C'est même lui-même qui a révélé tête à messieurs. C'est une raison, tout ça que messieurs ont même recevoir de la part de Dieu, ils ont écrit. Je dis,
si moi-même, si vous-même, nous avons pour nous dire, nous ne pouvons pas dire révélation, pas nous. Nous avons dit même ça, Dieu t'a révélé Paul. Même ça, il t'a révélé Pierre. Même ça, il t'a révélé Apôtre. Pour qui ça? Parce que ça que nous avons dit, c'est l'évangile qui t'a prêché déjà. Plus de 2000 ans. Ça qui est pour dire, 1000 ans après, t'es déjà prêché, t'es déjà enseigné. Nous sommes un passage dans Ecclésiaste qui dit, pas de rien nouveau. Dans Ecclésiaste, on allait dans Ecclésiaste chapitre 1er. Nous avons un verset. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1er. Ok. Ecclésiaste chapitre 1er. On nous commence à lire dans le verset 1er. Dans le verset D. Il dit vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Mais principalement, on a besoin verset 9 là. Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va. Une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Le verset 9. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Tenez bien. Ce qui a été, ce qui était là. C'est le verbe être là et au passé composé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et tout ça qui était là dans le passé, c'est les mêmes qui sont toujours là, qui sera. Il dit, et ce qui s'est fait, ça veut dire ça qui fait maintenant, à présent, c'est ce qui se fera. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça qui était là, c'est les mêmes qui sont toujours là. Et ce qui s'est fait, ça qui fait aujourd'hui, puis peut-être dans une chose nouveau. Il dit, c'est ce qui se fera. C'est lui-même qui a toujours fait. N'a qu'à venir. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De toute façon, pour nous toquer, tout ça qui a fait, c'est bagaille qui était déjà fait. On bagaille, 1000 ans qui a venu, mais peut-être qu'on dit, ah, ce bagaille nouveau. Il dit, 1000 ans après, avant la génération qui nous ont été précédés, il était là. C'est pour un bagage nouveau qui est lié, mais elle est déjà là. La terre planifiée, tout ça qu'on a fait sur la terre, il est planifié par Dieu. Même si on a toute provision, l'église là, lui-même lit là, eh bien, tout ce qu'on a la terre, la terre a fonctionné, il est déjà écrit. Pas grand-rien qui va faire, moi qui sont bagailles, qui fait au hasard comme ça, c'est retel, fait comme ça. Je n'ai pas prévoir ça. Je n'ai pas pensé ça. Même Jean, quand la Bible fait déclaration, il fait comprendre qu'il regrette qu'il ait fait l'homme. Si en plus l'homme pense son erreur, que Dieu lui-même lui fait. Dieu, l'omniscient, fait erreur. En plus le monde pense comme ça. Mais Dieu a une raison d'être qui permet qu'il fait déclaration comme ça. Après avant l'église. Oui, c'est quoi, non, Jésus. Okay. Nathan Lota, d'après verset, nous dit, qui côté Dieu se manie? À travers le prophète, Pio. Dans l'esprit l'homme, là. Mais si même ça qui veut faire toi, c'est le cas de Dieu. Côté l'homme, côté Dieu manie, est-ce que le temps de ça dit, hein?
si même ça que qu'on a fait longtemps yo, c'est yo qui a fait jodi a, il dit côté Dieu parler kounye. Pas oublier Dieu en tant que Dieu. Ou après apôtre Jean-Baptiste font déclaration, faut comprendre si nous même nous pas voulu parler pour Dieu. Il faut comprendre qu'il a fait roche ça yo. Prenez des témoins pour capable parler dans nous. Mais ça va priver fait oui. Vous comprenez ça va priver fait parce que Christ est mort et Christ est ressuscité. Même si il va pas joindre nombre de monde qu'elle doit joindre. Mais l'a joindre. L'a joindre des hommes comme des témoins. Les nous dit ça qui te compte fait déjà, ou c'est qu'a toujours fait. Ça veut dire même ça, ouais, Dieu lui-même, il était planifié pour te faire dans les temps anciens. C'est ça qu'a toujours fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monde, il est planifié par Dieu. Tout ça, ouais, qu'a fait, bien peut-être, ou qu'a pensé, ils sont bagailles nouveaux. Qui fait, c'est qu'on y a là, ouais, ou bien pas même connaître s'il existait dans l'éternité, dans les temps anciens. La Bible, faut comprendre, il était déjà là. Pour qui ça? Parce que, pour qui ça, il était déjà là? Parce que c'est Dieu même, au point qu'il était déjà planifié comme ça. Bien peut-être, vous pouvez lever là. Comment bon Dieu parlait ou besoin qu'on ait les côtés de qu'on parlait dans bouche prophète yo qui ça te qu'on dit un Dieu te parlé pour exhorter pour corriger pour instruire peuple là dans la loi qu'elle te mettait devant yo peuple là te violé. C'est ça que après tout prophète toute parole prophète yo a dit avec peuple là. Si vous vérifiez la Bible, il pas dit non l'autre intention. Si vous avez vérifié la Bible, vous voyez bien. Les dieux parlent en bouche prophète, elle dit peuple, oui, elle dit royaume. Correction, exhortation. Enseignez ça que lui-même livré. Et bien, quand il y a si toutefois que les dieux toujours parlent, c'est même pas la Bible, qui ça l'a dit? De Timothée 3, verset 16, explique ça. Il dit, ça écrit dans le livre là même. Mais Koulia, il dit, c'est dans l'esprit bon Dieu sorti. Il est là pour montrer mon vérité, pour combattre mon affaire, pour corriger mon affaire faute, et en même temps, pour montrer mon Dieu qui vit bien. C'est ça fait en résumé dans le verset 17, il dit, mon cap servi bon Dieu, il a tout ça qu'il a besoin pour faire ça qui vient. Et bien, ça veut dire, si nous parlons, comment bon Dieu parle aujourd'hui? Ou même qui vient l'esprit mondial, ou Dieu connaît Dieu parler à travers les écoutes, la Bible, Dieu parler, il parle de l'autre forme qu'il parle. Parce que ça fait tout ça, bon Dieu a dit, il dit à travers la Bible. Et ça fait, si vous besoin de corriger au monde, ou pas qu'elle parle dans vous-même, mais c'est ça qui écrit à même pour prendre. Longtemps, ou pas besoin de prendre un bagage, parce que c'est pas ça qui écrit, c'est Dieu qui a parlé, il a dit, elle dit, peuple, tel bagage, c'est pour ça que vous dit longtemps. Mais pour lui, elle dit, c'est ça écrit à même pour prendre, pour corriger yon moun qui a fait un bagage qui n'a pas l'autre de bon Dieu. Pour combattre yon roi, c'est ça écrit à pour prendre. Mais ça veut dire que mais Dieu parlait aujourd'hui à travers les écritures, à travers ça écrit à. Et là, je dis ça, je dis à mon gars, oui, mais comment faire? Est-ce que bon Dieu n'a pas parlé avec nous dans ce sommeil? Oui, il a parlé. Mais, dans l'intention, je ne sais pas fait dans le temps, c'est pas comme ça l'a fait. Révéler bon Dieu a révélé le monde dans le sommeil par exemple quand dormi même j'en ai vu une expérience fois dernière il y a pas qui pourrait le passer et puis dans la journée comme ça n'a dialogué sur lui et puis dans la soirée ça m'a dialogué sur lui pour quand même parler ça avec madame moi et puis pour confirmation bon Dieu fait madame moi ouais ça m'a parlé me dire pour mal dire pas pour dire il fait ouais ça m'a parlé dire là. Ça fait que c'est bon de faire loi parce que ça, c'est ça que je dis dans la journée et c'est ça que je vis dans la soirée.
Et le matin, il me dit, je ne pas dire ça dans le soir. Et il me dit, je dis ça, oui, le même pita. Mais il dit, mais ça, je ne dans l'homme, oui. C'est que ça, il est différent avec le n'a parlé de ça, bon Dieu, de qu'on dit. À travers les écoutes, par exemple, le n'a parlé avec le peuple lui-même, le n'a parlé avec l'assemblée de ce peuple Israël là-même, avec Josué, le n'a parlé avec l'assemblée des saints. Eh bien, Dieu ne va pas parler de l'autre façon. Si vous entendez la voix de Dieu, vous avez besoin d'aller directement. Dans la Bible, ou parle même ça, bon Dieu dit. Et après, parce que ou pas capable de parler de la Bible sans la prière. Et ça fait, c'est dans la prière même, Dieu parle fort comprendre tout ça qu'il dit dans sa qui est écrit. Bon Dieu bénit non. Et ça fait en gros, et c'est ça que moi dit. Merci. Oui, c'est vite. Est-ce que vous clair? Non, c'est une bonne idée. Ok, n'a pas. N'a pas avancé, n'a pas éclairci vous parce que nous avons touché pour ça. Pas oublier, nous avons fait un lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13. N'a pas parlé sur les dons ministériels. Nous avons. Le problème, c'est que nous avons un de là à chaque fois Paul. Pour la Paul est toujours écrit les dons à travers de ce qui a passé dans toute l'assemblée. Et ce qui a passé dans toute l'assemblée, chaque fois que tu prends un petit peu de temps, tu écris pour les églises de Mathéa. Ok? Ça fait. Tu écris pour les églises du peuple là, à travers de ce qui a passé. Depuis que tu as dit, tu vois, tu es. Et bien, tout ce qui est pour nous, même dans tout le monde, et bien, pour nous continuer avec le monde, nous sommes fidèles, capables de croire de notre Dieu. Mais c'est le monde ça. Moi, ça a été comme une confusion pour moi. Comme nous dit, bon Dieu parle à travers de la Bible. Nous acceptons bon Dieu parle à travers de la Bible. Mais je dis, est-ce que si il dit même, bon Dieu est pasteur, notre tête n'existe pas. Est-ce que c'est comme ça? Vous êtes mis de notre tête de ça? Est-ce que lui-même, parce que ça connaît, il y a des exercices et tout? Est-ce que lui-même, il va accepter? Si la mission de notre tête de ça, tout, pour toute l'église là, connaît ça. Mais les petits compétences, ça me dit, c'est pas clair, nous pas clair. C'est-à-dire que, est-ce que lui-même, qui a venu travailler là, parce que nous-mêmes, nous pas accepter? Ok. Et moi, je crois que ça n'a touché, n'a touché dans le même point ça. Et n'a pas répondu aux mêmes questions. Pas oublier dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné ça. Qui c'est les cinq dons ministériels libayo pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire, Dieu a une raison spéciale qui fait tirer les messieurs Sayo, le tibay aux missions à vous. Et même messieurs Sayo, c'est même eux-mêmes qui t'ont enseigné. Ça veut dire qu'ils t'ont joué rôle docteur. Même eux-mêmes qui t'ont évangélisé. C'est même eux-mêmes qui te font pastorer. C'est même eux-mêmes qui te font prophétiser. C'est même eux-mêmes qui te font comme des envoyés, ça veut dire comme apôtres. C'est une raison qui permet que Dieu considère les 12 apôtres comme 12 poteaux, comme 12 colonnes. Ou après, dans le millénium ou bien dans le royaume de Dieu, il parlait. Mais ça, c'est 12 fondements. Quel que soit le monde qui a venu pour capable de construire, ou pas capable de construire en dehors des fondements sacrés déjà là. À savoir, ça, messieurs, apôtre, vous êtes posé. Il dit fondement ça, il n'est pas l'autre qui est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ même qui est le fondement des apôtres. Mais là, Dieu te relève, monsieur Sayo.
Dieu te bon côté le sorti, il te bon côté le poilé. Et là, Dieu va arriver côté le poilé, il va continuer utiliser des hommes pour capable voyer comme des envoyés, tant que Paul, comme des envoyés, tant que Pierre, tant que les autres apôtres. Pour qui ça? Parce que l'intérêt des messieurs, même je ne sais pas, l'intérêt de Léon, un point pour capable accomplir un point. Et bien, point qu'elle a arrivé pour capable accomplir, les points ça lui-même, les fins accomplis, nous prenons l'OL puis devant. Et bien, qui s'est passé? Nous n'avons pas besoin qu'on y ait un appel comme apôtre pour fonctionner, mais nous avons seulement besoin d'utiliser les écritures. Pas oublier d'une manière générale, nous tous qui chita là, nous recevoyons un appel. Nous recevoyons un appel collectif pour le salut. C'est appel ça qu'il recevoir. Mais il dit, pour donner un peu de créole, Éphésiens chapitre 4, il dit c'est lui-même qui fait les hommes cadeaux divers pouvoirs. Il y a quelques pouvoirs pour servir apôtres. Il y a l'autre pouvoir pour servir prophète. Il y a l'autre encore pouvoir pour annoncer bonne nouvelle là. Il y a d'autres encore pouvoir pour servir tant que pasteur et directeur. Il dit comme ça. Mais pour qui ça? Oui, bon Dieu te baille ça. Comme ça, il est bien organisé, peuple bon Dieu, pour yo chaque. Fait travail, service, pour que Christ là, qu'a grandi dans confiance. Il fait ça comme ça, pour nous tous ensemble, nous arriver à faire un seul corps dans confiance, nous gagner dans la connaissance, petit bon Dieu. Il dit comme ça, nous tous ensemble, nous avons un grand monde qui est bien développé. D'après dernier mesi développement Christ là, qui bon être, laisse ça, nous ne pas vivre tant que petit monde encore. Tant que monde qui a changé l'idée facile, qui quitte courant n'importe doctrine traîner, allez, qui tant que chouette dans mes banalisés, ça y est, qui compte, qui j'en pour y prendre tête monde. Nan bay menti. Éphésiens chapitre 4 verset 11 là, la Bible a expliqué ou des divers cadeaux que Dieu lui-même lui fait à serviteur ça. Mais pas oublier pendant on a parlé des apôtres, d'ailleurs on a yo parlé de plusieurs catégories d'apôtres. Par exemple, il y en a qui parlait des apôtres de l'agneau et puis apôtres de l'église. Mais c'est faux dit. Ou t'as senti qu'il y a une différence entre apôtre de l'agneau et apôtre de l'église. Et n'a dit non. Même apôtre qui était apôtre de l'agneau, c'est même lui-même qui est apôtre de l'église. Pour qui ça? Parce que c'est toujours le même esprit. C'est toujours le même fondement. C'est toujours la même révélation. C'est pour l'autre révélation. C'est pas avec l'autre esprit qu'il a travaillé. Mais c'est même serviteur ça y est. C'est même lui-même qui toujours apôtre dans l'église là. Paul, Pierre, les 12 apôtres. C'est même lui-même, vous comprenez, qui toujours est comme des envoyés. Pour qui ça? Parce que c'est eux-mêmes que Dieu lui-même l'a utilisé. Et le message qu'il a prêché, c'est à eux-mêmes que Dieu lui-même l'a révélé une fois pour tous. La Bible dit, message qu'il te baille, messieurs, il te baille message, ça c'est juste pour nous être capables de grandir dans la foi. Pour nous être capables de rester vivre dans la perfection, demeurer à la saine doctrine. Pour ne pas être tant que petit monde, qui paille n'importe quelle doctrine à pouvoir aller. Mais c'est une raison dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, où après, l'apôtre Paul a parlé.